예수 그리스도가 십자가에 흘리신 피로 이루신 영원한 속죄. 이 기쁜 소식을 온 세상에 전하며 올바른 신앙과 참된 구원으로 사람들을 이끄는 것이 목회자의 역할이다. 그러나 최근 잘못된 복음으로 타락해가는 기독교계, 많은 목회자들이 개혁의 필요성을 호소하고 있다. 그런 가운데 오직 성경을 중심으로 참된 복음과 올바른 신앙으로 돌아가고자 하는 목회자들의 목소리가 모이기 시작했다. 이에 CLF 총재인 기쁜 소식 뉴욕교회 박영국 목사, 키세베 아더 기통과 케냐 기독교 대표, 고프리다 은센둘루카 잠비아 종교부 장관 등 각국의 교계에 큰 영향력을 가진 목회자들이 동참하고 전 세계 규모의 기독교 지도자 포럼 CLF가 만들어졌다. 2017년 3월 La première rencontre de CLF s'est tenue à New York en mars 2017. C'est à ce premier événement qu'elle a été officiellement nommée CLF. Elle s'est déroulée avec plus de 750 leaders chrétiens participants venus de 47 pays. Elle est devenue le socle de toutes les rencontres CLF qui se tiennent aujourd'hui. Les principales conférences sont basées sur des cours d'évangile, sur des académies, des symposiums et les conférences du pasteur Oxupak. Les conférences du pasteur Oxupak se reposent essentiellement sur une vie spirituelle pratique. Il prêche le vrai évangile et partage ses témoignages d'expérimentation de la puissance de Dieu pendant ses 40 ans de son ministère. Les réunions de CLF ont commencé à s'étendre au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, à grande échelle ou à petite échelle dans le monde, comme en Asie, en Europe, en Afrique et en Océanie. 820 000 pasteurs fréquentant la CLF. En octobre 2017, la première conférence de CLF de la région asiatique s'est tenue à Hong Kong avec près de 1150 dirigeants chrétiens venus de 17 pays d'Asie. Le christianisme a été accepté sur la base des idéologies orientales. Leur culture spirituelle était principalement fondée sur le confucianisme. Mais durant cet événement, les dirigeants chrétiens ont délaissé leurs pensées. Ils ont définitivement établi la manière de vivre la vie spirituelle et leur mystère selon la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de CLF s'est tenue à New York. 1000 dirigeants chrétiens venus de 35 pays y ont assisté. Plusieurs d'entre eux ont été recommandés et invités par le collègue pasteur. Cela montre à quel point le CLF est devenu un événement incontournable et un point tournant pour les dirigeants chrétiens. Vu son enthousiasme, la CLF s'est également tenue en Corée avec grand succès. Dans la seconde moitié de 2017, les pasteurs du monde ont été appelés à retourner à la Bible au cours de la CLF à Séoul à l'occasion du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Les participants au séminaire du pasteur Oxupak en mai 2018, avec plus de 500 archevêques venus du monde, tels que l'archevêque Kiseve Arthur Kitonga et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Gofrida Sandoluka de la Zambie. Le symposium des leaders chrétiens 2018 et la conférence de presse se sont déroulés autour du thème « Le vrai évangile et la vraie vie spirituelle ». Cet événement a même suscité l'attention des médias. Par ailleurs, l'Église méthodiste de Fidji, une très grande association des chrétiens des îles du Sud-Pacifique, a décidé de collaborer avec la vision évangélique de la mission Bonne Nouvelle au Fidji. Plus tard, certains leaders chrétiens de l'Église méthodiste des Fidji ont participé au camp mondial de la Corée en 2016. Ils ont ainsi confirmé la véracité de la bonne nouvelle à travers la CLF. Cela s'est soldé par un accord de partenariat en août 2017.
L'année prochaine, en juin 2018, s'est déroulé le CLF qui a réuni environ 600 pasteurs aux îles Fidji. Nous croyons que la base de la vie spirituelle doit être la Bible. C'est ce que la CLF nous apprend. Nous réjouissons, nous voulons écouter cette parole. Et donc, nous croyons Dieu pour ça. Nous continuons à partager sur le salut, la grâce, la rédemption, le changement. Nous apprenons et nous transférons. Quand le pasteur explique, il explique comme s'il illustre la Bible. Il n'y a aucune façon plus puissante de prêcher la parole telle qu'il prêche pour que tout le monde puisse la comprendre et qu'elle pénètre vraiment le cœur. Plusieurs parlent de réforme chrétienne et de changement, mais sans le vrai évangile, l'on ne peut parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Le vrai ministère et la vraie vie spirituelle s'établissent par la grâce, loin des normes et des théories. Et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou nos efforts, raison pour laquelle la CLF invite les leaders chrétiens du monde à gagner la vraie repentance et à répandre la rémission du péché partout dans le monde. Good evening everyone, we're now at our final session for the entire CLF Online World Conference. Bonsoir à tous, nous sommes maintenant à la dernière session de la CLF en ligne. Mais dans tous les cas, comme nous nous rencontrons en ligne, c'est comme si nous nous rencontrons tous les jours. Donc nous vous espérons à une CLF prochaine. Donc ce soir, nous allons commencer par la prière. Père Dieu, nous te remercions et nous te rendons gloire. À travers la conférence mondiale 2021, dans le cœur des leaders chrétiens, Dieu, tu as prêché ta parole dans leur cœur. Nous avons accepté la parole en une seule foi, et cette parole qui dit « c'est Dieu qui justifie » est d'abord entrée dans le cœur des dirigeants avant nous. Et nous sommes très reconnaissants de nous unir par la foi à cette parole. Tu as dit que la loi est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Dieu, si nous avons laissé Jésus-Christ derrière la loi, qui est la vraie, l'exacte représentation, et comme nous voulons observer le jour de repos, nous avons violé la volonté de Dieu. Depuis ce temps, nous étions en condamnation et nos cœurs étaient liés aux craintes. Notre cœur était attaché à la première loi, bien qu'en disant que nous croyons Jésus-Christ. Et notre cœur était lié, entraîné par le péché et la mort. Mais Dieu, à travers les lèvres de ton serviteur de Dieu, tu nous as prêché la nouvelle loi, comme devant la nouvelle alliance, la femme surprise en adultère a été sauvée par la grâce. Dieu, tu nous as donné la nouvelle alliance. Et lorsque nous avons suivi cette alliance, nous voyons, ah, je suis juste, je suis parfait, je suis saint. Dieu, donne-nous cette foi et dirige-nous à propager cette vérité de l'Évangile à beaucoup de fidèles dans le monde. Père Dieu, nous te remercions. Dans le monde entier, tout le monde souffre et craint le COVID-19, mais tu as d'abord donné la foi du salut dans le cœur de nos dirigeants. Tu nous as donné la liberté du péché. Père Dieu, utilise-nous à témoigner sur toute cette terre la vérité de la Bible. Et merci beaucoup de nous avoir utilisés. Merci Dieu de nous avoir donné ta grâce. Père Dieu, que ce soir, dans le cœur de nous tous,
nous nous rappelons de la parole et à chaque personne donne le cœur de participer ensemble à témoigner cet évangile de la vérité. Nous te demandons que nous unissions pour participer à prêcher cette parole de vérité. Bénis-nous. Seigneur bien-aimé, à travers ce forum de CLF, travaille fortement et merci parce que tu as travaillé. Ce soir également, à travers l'homme de Dieu que tu as établi, Dieu, donne-nous ta parole et que nous tous qui écoutons cette parole laisse notre cœur. Nous te demandons que cette parole casse les pensées de notre cœur et que la foi travaille en nous. En suivant cette parole, en obtenant devant cette parole, nous te demandons que nous coopérons pour dire Amen. Bénis la session de ce soir et accorde-nous ta grâce. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. À présent, il y aura les félicitations. Je vous salue. Je suis pasteur Austino César Aquino Fotos de Paraguay. À cette opportunité, je voudrais féliciter à l'organisation CLF et tous les pasteurs et dirigeants chrétiens qui travaillent beaucoup. Cette conférence mondiale qui se tient du 15 à 19 novembre, je voudrais vous transmettre mes félicitations et mes reconnaissances à tout le monde qui assiste à ce forum de CLF. Vous écoutez la parole du pasteur Oursopar, un orateur très reconnu. Vous avez eu ce privilège. Cette conférence mondiale en ligne est un temps pour les pasteurs et les dirigeants chrétiens du monde. Alors, je salue et je félicite une fois encore au Forum CLF qui fait beaucoup de travail pour enseigner la parole du Seigneur qui nous conduit au royaume des cieux. Alors, j'espère que chacun de vous partage ensemble dans le lieu où Dieu vous a permis et que vous appreniez profondément la parole de la Bible. Nous sommes tous des participants de la conférence dirigée par le pasteur Oursopar. Pour cela, je vous exhorte, je vous encourage à venir apprendre la parole du Seigneur à travers cette conférence mondiale en ligne. Nous sommes dans une période où nous devons apprendre plus la Bible afin de diriger les âmes au royaume du Seigneur. Cette conférence mondiale en ligne qui s'étend dans le monde entier, son ouverture réussie et la CLF, je bénis et je remercie à tout le monde. À présent, nous avons un témoignage très étonnant du travail de Dieu. Je vous salue. Je suis pasteur Abebio Jebi. Je suis le pasteur d'église chrétienne Crossover. Je suis également le vice-président de l'Association des églises de pasteurs Canaan et puis vice-président du réseau Destiny Ministers et membre de CLF,
la conférence des leaders chrétiens. Le forum des leaders chrétiens se tient en conférence en ligne mondiale. Je vous invite à cette grande conférence organisée par le CLF. Et puis, je vous recommande avec un cœur particulier le pasteur Supak qui prêche la parole de Dieu dans le monde entier à travers le CLF. J'ai rencontré le pasteur Supak à New York l'année dernière à la conférence de CLF. L'homme de Dieu, le pasteur, à chaque session, nous a prêché comment Christ nous a justifiés. Ceci m'a très touché. Je suis chrétien, je sais que je suis juste. Mais ce que je ne savais pas, c'est que beaucoup de gens avaient des questions sur ce sujet. Alors, pour réaliser plus concrètement, quand j'étais revenu à l'église, j'étais très choqué de voir combien de personnes ne savent pas qu'ils sont justifiés, que Dieu a pardonné leurs péchés. J'étais étonné et choqué qu'ils n'acceptent pas, qu'ils n'ont pas accepté cette vérité. C'est ça qui a changé mon cœur, a changé ma manière de prêcher et mon message. Dieu nous a justifiés. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si Dieu nous a rendus justes, alors nous sommes justes. J'aime ce pasteur Pag. J'aime la manière dont il explique l'Évangile très facilement et simplement à tous les hommes. Si vous n'êtes pas juste, comment allez-vous voir Dieu? Si vous n'êtes pas juste, comment allez-vous avoir de rapport avec Dieu? Ainsi, moi, je remercie la vie du pasteur et le pasteur qui prêche cet évangile dans le monde entier. Bien-aimés, vous êtes venus ici en tant que leader chrétien et marchons ensemble à la même conclusion, discutons ensemble la même parole de Dieu, louons Christ dans ce monde mourant. Nous allons dire aux gens que Jésus-Christ est mort pour eux, les gens qui n'ont jamais accepté ça. Dieu les a justifiés pour toujours. Parce que eux, ils n'acceptent pas que Christ les a justifiés pour toujours. Eux, ils n'acceptent pas que Dieu les a justifiés pour toujours. C'est pourquoi moi, je pars partout, je demande aux gens, aux fidèles, et je prêche et je pose une question très simple. Êtes-vous juste? Selon les réponses, je me pénètre dans la parole de Dieu et je leur explique comment Dieu les a justifiés. Et beaucoup de vies sont en train de changer dans l'église Crossover. Je remercie très fort le pasteur Park, l'homme de Dieu, pour son dévouement, son effort spécial. Et je remercie qu'il amène tous les gens en Christ. Merci beaucoup. Participez et vous serez bénis. Merci. For students to attend the Good News Theology School founded by Pastor Ok Supak. Nous vous introduisons également l'école théologique Good News fondée par le pasteur Ok Supak qui recrute des nouveaux inscrits. Nous allons suivre ensemble une vidéo courte sur l'école théologique de Good News.
Les écoles théologiques sont créées pour la formation des prédicateurs du vrai évangile de Jésus-Christ. Elles visent à enseigner la vérité de la Bible et sont basées sur la foi inébranlable de Dieu. Néanmoins, aujourd'hui, de nombreuses écoles théologiques établissent la pensée de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. À présent, il nous faut sortir des cadres d'une éducation théologique centrée sur différentes théories. Nous devons établir la vraie foi et nous retourner au vrai enseignement de la vérité biblique qui vivifie notre esprit. L'école théologique de Good News offre des cours riches et approfondis avec des exercices pratiques et intéressants. À travers des entretiens entre professeurs et élèves qui permettent le partage profond du cœur, nous offrons une éducation très essentielle, facile et systématique. École théologique de Good News, nous sommes les futurs évangélisateurs pour prêcher aux hommes souffrant du péché et du désespoir par l'enseignement de la lumière de Christ. Inscrivez-vous à l'école théologique et devenez évangélisateurs de Jésus-Christ. Vous pouvez vous être informé plus précisément sur goodnewstheology.com. Our guest speaker, the founder of Good News Mission, Pastor Oku Park, has written over 60 different sermon books. L'orateur principal, le pasteur Oku Park, a écrit 62 ouvrages spirituels. And also not to mention his world famous Mind Education books, there are 14 different books available. Il a également publié 14 ouvrages sur l'éducation de mentalité. Vous pourrez trouver tous les ouvrages du pasteur sur Amazon ou Good News Book. Oh, now we're ready for our final performance from the Gracias Choir during the CLF Online World Conference. Et maintenant, nous allons suivre la dernière prestation de la chorale Gracias de CLF. Nous allons suivre le duet de baryton et de soprano, Shout to the Lord. Ovationnez très fort. Never cease to worship.
Nous allons suivre à présent le chœur de la chorale Gracias. Elle sera dirigée par la conductrice fameuse mondiale Unsu Park. Il y a trois chansons, Chœur des esclaves hébreux, Seigneur céleste et You Raise Me Up. Ovationnez très fort pour la performance dernière de la chorale Gracias. Thank you.
than I can be. Merci beaucoup à la Chorale Gracias. À présent, c'est le temps de la prédication la plus importante. À travers l'orateur, le pasteur Oksu Park, fondateur de la CLF, nous allons écouter la parole de Dieu. Bonsoir à tous. Maintenant, c'est la dernière session. J'organise beaucoup des événements en tant que pasteur. Et je pense que c'est ça le bonheur des pasteurs. En voyant les gens qui ont écouté la parole, ils sont changés après avoir reçu le salut. Nous allons d'abord lire la Bible,
Ésaïe 53, du verset 1 à 12. Si vous avez trouvé Ésaïe chapitre 53, je vais lire à partir du verset 1. 우리의 지난 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 네게 나타났느냐? Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 그는 주 앞에 자나기를 연한 순 같고 마른 땅에 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리 보기 허무할 만한 아름다운 것이 없도다. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람에게 얼굴을 가리고 보지 않을 받은 자 같아서 méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtres sûres que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. La parole de la Bible que nous avons lue ce soir, le prophète Isaïe, il a prophétisé l'arrivée de Jésus-Christ et ça s'est accompli comme il l'a dit. Depuis que je suis devenu pasteur, je suis en train de prêcher l'Évangile. Parfois, je ressens un bonheur ou une joie que d'autres ne ressentent pas. Cette fois-ci, j'étais à la maison et j'ai reçu un appel à l'eau. C'était un appel d'Afrique. Un pasteur, ici, c'est Afrique. Nous sommes en le Libéria. En fait, c'était le pasteur en charge au Libéria qui m'a appelé
Ah, pasteur, Yuan Chui est en train de mourir. Il y avait un frère nommé Chui Yuan, il vivait à Dallas, aux États-Unis. Et ce jeune a joint le service volontaire Good News et puis il est allé au Libéria pour faire son service volontaire. Un jour, il était en train de dormir pendant la nuit. Quelqu'un a, c'était comme si quelqu'un l'a piqué avec une aiguë et il s'est dit « Ah !» et puis il s'est réveillé. Mais c'était la nuit, c'était sombre, il disait « C'est qui ?» Mais il n'a vu personne, donc il s'est rendormi le lendemain matin. Hier, j'étais en train de dormir et quelqu'un m'a piqué avec une aiguë mon pied. Et frère, je crois que c'est le scorpion. Mais tu rigoles, il n'y a pas de scorpion dans notre chambre. Mais vers l'après-midi, ce jeune Choi Yohan, il avait mal au ventre et il allait aux toilettes. Et à l'arrivée de toilettes, il était tombé évanoui. Alors, le chef en charge, il a couru. Il a vu Yohan. Yohan était en train d'uriner, de déféquer. Je suis désolée. Et il était en train de mourir. Il ne pouvait pas respirer. Hé, Yohan! Yohan, réveille-toi! Lève-toi! Il a frappé ses joues. Lève-toi! Réveille-toi! Il était en train de mourir. Alors, le pasteur l'a mis dans le véhicule, l'a amené à l'hôpital. L'hôpital, le docteur a croisé ses bras, il a dit « Non, ramenez-le. Non, veuillez nous aider. » Ce jeune est piqué par un scorpion, il ne peut plus vivre. Pourquoi vous êtes venu maintenant? Quand on est piqué par le scorpion, même quand vous arrivez à l'heure même, on ne sait pas si on peut vivre, mais c'est déjà trop tard. Maintenant, le venin du scorpion a déjà répandu dans son corps. Non, s'il vous plaît, veuillez l'aider. Il a dit non. Et ils sont allés dans un nouveau hôpital, dans cet hôpital, mais ils ont dit non. Mais ils ont supplié, veuillez nous aider. Et donc le docteur a dit, faites-le coucher sur le lit. Et puis, Yohan a cessé de respirer. Alors les docteurs sont venus, ils ont fait le CRP. Ils ont fait ça pendant 2 heures. Et puis, Yohan s'est réveillé et il a commencé pas à respirer encore. Mais en sens, sa température était 17, sa tension 30, c'était juste comme un cadavre. Et donc, le chef en charge, quand il a vu ça, il m'a appelé, il a dit, « Pasteur Yuan Chui, et sois calme, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe ?»« Oui, je vous parle plus calmement. Oh, Chui Yuan, il est en train de mourir. » Il a dit Yuan est piqué par un scorpion. En fait, son cœur battait, mais le docteur a dit comme ça, il ne pourra pas vivre. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Peut-être il va mourir dans 2 heures. Et donc, ce pasteur m'a parlé ça. De Corée au Libéria, le vol fait 18 heures. Mais il va mourir en 2 heures. Est-ce que je peux envoyer des médicaments ou un docteur? J'étais très gênée. Mais ce jour, je me suis rappelé de la parole que j'avais lue le matin. C'était la parole Ésaïe 40, verset 31. Il était écrit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Je me suis rappelé de cette parole.
Est-ce que je peux appeler, je peux parler avec Yuan? Oui, pasteur. Et Yuan, tiens, c'est le pasteur au spa, il veut parler à toi. J'ai dit, Yuan, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur. On a dit que tu es piqué par le scorpion d'Afrique. Normalement, tu devais aller à l'instant à l'hôpital, même instant. Le poison a déjà répandu dans ton corps. On dit que tu vas mourir. Le docteur a dit que tu ne pourras plus vivre pas plus de 2 heures. Yuan. Mais écoute-moi attentivement. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai lu la Bible, Ésaïe 40, verset 31. Tu sais ce qui est écrit là? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yohan, tu vas le savoir, mais le 하나님의 말씀이야. Yuan, comme tu sais, les 66 livres de la Bible sont tous la parole de Dieu. 절대로 거짓말하지 않으셔. Dieu ne ment point. 하나님은 절대로 약속을 지키셔. Dieu tient sa promesse. 하나님 여기 뭐라고 기록했냐면은. C'est ce que Dieu a écrit ici. 네가 지금 정갈로 수고하고 있는데. Tu es piqué par le scorpion, tu es en train de mourir. 하나님을 바라보고 하나님을 악망하고 하나님을 기대하면. Mais si tu regardes Dieu, tu contemples Dieu et tu espères Dieu. 힘을 주신다고 했어. La Bible a dit que Dieu renouvelle la force. 몰라. Oui, moi, je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, cette Bible, c'est la parole de Dieu. Et je sais que Dieu ne ment point. Le docteur a dit que tu vas mourir en 2 heures. Mais la Bible dit une autre chose. Si tu espères en Dieu, et tu te dépends de Dieu, lorsque tu te confies en Dieu, Dieu ne ment pas, il va sûrement renouveler ta force. Alors là, Yohan, même si tu es en train de mourir maintenant, 주시면, si Dieu renouvelle ta force, tu vas forcément vaincre le venin de scorpion. Tu pourras revivre. Est-ce que tu me comprends, Yuan? Oui, pasteur. Oui, Yuan, espère en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Dieu va sûrement renouveler ta force. En ce temps, ce poison n'est rien pour toi. Et après ça même, j'ai écouté plusieurs fois son témoignage. Il avait pensé que ce jour, il va mourir. Parce qu'il était déjà mort et par la réanimation cardio-pulmonaire, il était encore venu à la vie. Mais maintenant, c'est sa dernière vie. Il s'est rappelé de son père. En fait, il était venu de Dallas, des États-Unis, avant de quitter Dallas pour le Libéria. À l'aéroport, son père l'a serré très fort dans ses bras et puis il a dit, Yuan, au revoir, on se voit plus tôt. C'est comme ça qu'il était séparé de son père. Mais Yuan, maintenant, est en train de mourir. Ici, dans Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je suis rappelé de cette parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, bien-aimés, si Dieu renouvelle la force, vaincre le poison du scorpion, c'est rien.
J'ai expliqué en détail à Yuan. Yuan, tu es en train de mourir. Selon le docteur, tu ne pourras que vivre 2 heures de plus. C'est vrai, mais qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Yuan, pour vaincre le poison, tu as besoin d'une nouvelle force. Confie-toi à l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, tu pourras vaincre le poison du scorpion, Yuan. Moi, je n'ai pas besoin d'être responsable de cette parole parce que ça, c'est la parole de Dieu. Et j'ai parlé précisément à Yuan. Yuan, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu arrives à croire ça? Oui, pasteur. D'accord, réveille-toi vite, d'accord? Et puis, j'ai raccroché. Et ensuite, j'ai appelé Dallas aux États-Unis. J'ai appelé le pasteur de l'église de Yuan. J'ai dit, Yuan est en train de mourir parce qu'il est piqué par le scorpion. J'ai demandé la prière des frères et sœurs. Et puis, j'ai appelé aussi... j'ai raccroché. Et Yuan a écouté ça. En fait, c'est très facile de confier en Dieu, attendre Dieu, contempler Dieu. Alors là, Dieu va renouveler la force. Yuan a crié dans son cœur, Dieu, je me confie en toi, je te contemple. Dieu, selon ta parole, je suis en train de me confier en toi. Donne-moi une nouvelle force. Dieu, tu ne mens pas. Je sais que tu vas garder la promesse. C'est ce qu'il a fait. Puis il s'est endormi. Il a ronflé. Il est tombé dans un sommeil profond. C'était une nuit très profonde. Donc dans la nuit, l'infirmière était en train de dormir aussi, sommeiller. Et elle passait les salles, et elle est passée par la chambre de Yuan. Ce jeune-là, il serait déjà mort. On doit nettoyer le cadavre. C'est ce qu'elle a pensé, elle est entrée dans la salle. Mais ce qui est étonnant, la tension était en train de monter. Elle était très surprise. Elle a frappé la porte du docteur. Docteur, docteur, réveillez-vous, quelque chose se passe. Oui, oui, infirmière, qu'est-ce qui se passe? Venez, venez voir ici, il y a un miracle. Quand il est venu, en fait, ce jeune devait déjà mourir. Mais il voyait que la tension montait de plus en plus. Le docteur était surpris. Infirmière, qu'est-ce que tu as fait? Docteur, je n'ai rien fait, je n'ai même pas touché. Sa tension était en train de monter. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il a dit, ah, j'ai bien dormi. Eh, frère, ça va? Oui, ça va. Tu sais ce qui s'est passé hier? Tu as déféqué, tu as uriné. Nous t'avons lavé. Ah bon? En fait, le pied qui était piqué par le scorpion était totalement pourri. Et maintenant, c'est guéri peu à peu. C'était comme ça que son pied était pourri. Mais on a dit que ce patient, à cause du poison du scorpion, ne peut pas anesthésier. Si on faisait l'anesthésie, ce serait bien, mais sans anesthésie, on devait nettoyer en fait sa blessure, et c'était souffrant, mais maintenant il est guéri parfaitement. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est devenu comme ça 2 mois plus tard. J'étais très reconnaissant.
그 이후에 달라스에 가서 Ensuite, il est retourné à Dallas. 예쁜 아가씨 만나 결혼도 했고. Il a rencontré une belle demoiselle, s'est marié. 아들 딸 세 명을 낳았어. Il a fait trois enfants. 애들 얼마나 예쁜지 몰라요. Ses enfants sont très jolis, n'est-ce pas? 지금 막 LA에서 IYF 일을 하는데. Et maintenant à LA, il travaille pour IYF. Il fait un travail très précieux. 우리가 믿는 하나님은 Le Dieu que nous croyons 살아계십니다. est vivant. 저는 그 하나님이 살아계신 걸 수없이 많이 경험을 했어요. Moi, j'ai expérimenté longtemps ce Dieu vivant. 살아난 그 경우도 여러 번 봤고. J'ai vu aussi plusieurs cas des gens qui sont ressuscités, qui sont venus à la vie en mourant. Moi aussi, j'avais l'ulcère d'estomac entre temps et j'étais guéri. 심장이 너무 안 좋아져. Et en 1999, en ce temps, j'avais une maladie de cœur et vraiment, j'étais en train de mourir, mais par la grâce de Dieu, je suis guérie. 종종 하나님이 우리 주위에서 살아 일하는 걸 많이 경험을 해. J'ai réalisé, expérimenté plusieurs fois Dieu travailler en nous. 이론이 아니에요. Ça, c'est pas une théorie. 실제로 하나님 우리 가운데 살아서 일하는 걸 많이 많이 봐. Dieu est effectivement vivant et il travaille en nous. 이건 말고도 je vois ça 정말 내가 ça, 상상할 수 없는 많은 일들을 한 것이. Dieu a fait des choses inimaginables. 몇 년 전에 나쁜 사람들 저를 행위했다고 고발해서. Il y a quelques années, les gens ont convoqué que j'ai détourné des fonds. 구속시키려고 서류 조작도 하고 그랬어. Et ils ont contrefacé des documents pour me. 참 감사한 것은. Pour m'attraper, 그걸 다 밝혀서, mais Dieu a révélé tout ça. Et même à la dernière instance, on a trouvé que je suis innocent. Si je ne crois pas Dieu, qui je vais croire? Oui, j'ai aussi expérimenté plusieurs fois la mort. Mais à chaque instant, Dieu vivant a travaillé en moi. Alors moi, je lis cette Bible, 말씀이고, car la Bible est la parole de Dieu. 거짓말, 그대로, et cette parole n'a jamais menti. Elle travaille comme elle dit. 일하시는 거 보면 너무너무 감사한 거예요. Je suis très reconnaissant que Dieu travaille selon sa parole. Maintenant, je suis beaucoup âgée. Bientôt, j'aurai 80 ans. Et je passe de temps comme des rêves. Cette année, je suis allée deux fois aux États-Unis pour la conférence. On avait visité beaucoup d'États aux États-Unis. La semaine passée, j'avais visité quatre pays d'Afrique, Kenya, Ghana, Côte d'Ivoire et Togo. Hier et avant-hier, la première dame de Mozambique, elle était entrée en Corée. 특별히 저를 초청해서 마인드 교육도 이야기 듣고 싶다고. Elle m'a spécialement invitée. Elle a dit qu'elle veut écouter sur l'éducation de mentalité. Comme on n'avait pas beaucoup de temps, je ne pouvais pas parler longtemps. 저를 영부인께서 저를 저 뭐 그 나라로 초대했어요. Mais la première dame m'a invité dans son pays pour l'année prochaine en février. 하나님께서 저와 같이 계시고 약속을 지키시고. Dieu est avec moi, il tient sa promesse et c'est très bon. Ce soir, la Bible que nous avons lue, Ésaïe chapitre 53, le prophète Ésaïe a commencé par écrire quand Dieu l'a montré sa prophétie. C'est ça le livre d'Ésaïe. Ici, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Moi, chaque fois que je lis la Bible, je pense sur moi. Ici, dans l'homme, Ours au parc, il n'y a aucun charme. Et il n'y a aucune chose à glorifier, aucune. Je n'ai aucune beauté, aucun éclat. C'est pourquoi je suis fatiguée, je suis épuisée de la vie des hommes. Parce qu'il n'y a rien que je puisse faire. Donc j'ai commencé par croire Dieu et m'appuyer sur Dieu. Mais en ce temps, comme mon cœur était proche à Dieu, j'ai vu que Dieu travaille en moi vivant. Pourquoi je fais des sermons? Je suis un homme néant. Mais pendant que je vive avec Dieu, Dieu m'a accordé de grâces inexprimables. Aujourd'hui, à l'après-midi, à l'hôtel K, on a fait la conférence de presse. Il y avait beaucoup de journalistes et des pasteurs. Et surtout, le ministre Zorobi de Côte d'Ivoire, il a un peu parlé sur son expérience avec moi et le travail qu'on mène ensemble. Bien, mais moi, je suis vraiment rien. Je n'avais rien en moi, quelque chose à me glorifier, à me vanter. Mais à l'âge de 19 ans, j'avais très peur de ma vie d'avenir, car rien n'allait mieux. Et dans l'année où j'avais 19 ans, par Jésus-Christ, j'ai reçu la rémission de péché. Depuis ce temps, ce qui était étonnant, je n'ai pas essayé à faire quelque chose. J'ai juste cru Jésus. Mais la manière dont il m'a dirigé était très belle. Je voudrais que chacun de vous acceptiez Jésus-Christ et que vous comparez ce que Jésus fait pour vous et ainsi vous acceptez les belles choses que Jésus fait pour vous. Avant, je croyais que j'étais pécheur et je vais entrer en enfer. Ésaïe chapitre 53, il y a un prophète qui était 600 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais il a prophétisé et tout ce qu'il a dit a été accompli à l'arrivée de Jésus. Quand je vois de telles choses, c'est très étonnant. Franchement, rencontrer Dieu, parler avec Dieu et Dieu qui m'exauce, tout ça, je suis très reconnaissant. En 1987, quand j'avais le problème d'estomac, j'avais beaucoup souffert, mais Dieu m'a guéri parfaitement. Et en 1999, à cause de la maladie du cœur, j'ai failli mourir. J'étais vraiment venu à la mort. Mais Dieu m'a guéri parfaitement. Maintenant,
Même à présent, il y a les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, des gens qui me convoquent, des gens qui disent derrière moi. Mais la femme surprise en adultère était devant beaucoup de foule qui voulait lapider. Mais quand Jésus est arrivé, il a fait tomber toutes les pierres à terre. Et aucune pierre n'a été lancée vers elle. Je te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cette femme se présente en adultère quand elle est entrée chez elle. Quelle pensée elle avait en elle? Est-ce qu'elle avait le cœur de commettre encore l'adultère? Ou bien est-ce qu'elle était craintive? Ah, est-ce que les gens vont me lancer la pierre? Non. Cette femme au retour, elle n'avait aucune pensée. Une seule chose. Jésus, merci. C'était ça qui était plein dans son cœur. En regardant pierre par pierre qui était lancée à terre, toutes ces pierres devraient lancer et frapper ma tête, frapper mon visage, frapper mes yeux. Mais c'est tombé à terre. Jésus, merci. Son cœur était plein de ça. Oui, moi, je n'étais pas, en fait, entraînée comme cette femme surprise en adultère. Mais en allant à l'église, bien qu'allant en église, moi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis de péché. Oui, je suis un grand pécheur. J'étais sûre que j'allais aller en enfer. Mais en 1962, j'ai lu la Bible. Oui, c'est très étonnant. Oui, ce malade depuis 38 ans, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, je ne peux pas marcher. Jésus, je ne peux pas marcher. Mais il a abandonné la pensée, je ne peux pas marcher. Il a suivi la parole de Jésus et là, il pouvait marcher. Moi aussi, c'était pareil. Je suis pécheur, mais dans la Bible, par le sang de Jésus, mes péchés sont lavés. Et ça, c'est la parole de Jésus. Alors, quand Jésus a dit qu'il a lavé mes péchés, c'est lavé et Dieu ne ment pas. Depuis ce temps, j'ai commencé à changer. Tout d'abord, la première personne que j'ai voulu qu'elle change était mon père. Mon père était très content que je sois changée. J'étais entrée à l'école de mission et chaque mois, il envoyait le sac de riz par surprise. Et les élèves missionnaires à l'école de mission m'ont dit de dire à mon père de ne pas apporter de sac de riz. Mais mon père, en regardant que son fils ait changé, était très surpris. Et depuis ce temps, Jésus-Christ était avec moi. Il y avait beaucoup de problèmes et de difficultés. Mais Jésus ne m'a jamais ignoré. Il m'a aidé, il m'a protégé. Il m'a donné sa grâce. Moi, je suis un pasteur vraiment qui n'est rien. L'année dernière, souvent nous faisons l'événement de Pâques au stade Gotok. Mais le gouvernement a interdit le rassemblement, donc nous avons fait les Pâques en ligne. Donc on faisait l'événement des Pâques en ligne pour que le monde entier puisse écouter anglais, chinois, russe, espagnol, français, coréen. On a diffusé en 6 langues.
À chaque session, 200만 명이 들어왔습니다. 2 millions de personnes ont écouté. 제일 많이 뭐 4만 명 뭐 그렇게 했던데. Or, au stade Gotok, s'il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être jusqu'à 40 000 ou 30 000, mais 2 millions de personnes, c'était incroyable. Au départ, je n'ai pas cru. 2 millions de personnes ont écouté mon sermon, c'est vrai. Mais ce qui était plus étonnant, l'année dernière, en mai, on a fait un séminaire comme nous faisons aujourd'hui. Vous savez ce qui s'était passé? 276 émissions dans le monde entier ont diffusé mes sermons de 90 minutes. Toutes les sessions de ma prédication, ils ont diffusé. Et de millions de personnes ont écouté ma prédication. L'année dernière, en automne, quand on faisait le séminaire, on faisait le séminaire comme ça. 655 émissions ont diffusé tous mes sermons. 655 émissions dans le monde, ça, c'est un très grand nombre, n'est-ce pas? Et je suis devenue une star dans le monde. Et tous ceux qui écoutent mes prédications sont étonnés. Oui, je prêche des prédications d'habitude comme ça, mais le monde entier. Puis nous avons parlé de l'éducation de mentalité pour les jeunes. Il y a quelque temps, quand on faisait les Olympiques au Brésil, en Afrique, il y avait un élève qui disait, « Professeur, nous voulons suivre le match de foot. » Il a dit, « Nous sommes en classe. À la fin du cours, je vais vous montrer. À la fin du cours, le match est fini. » Cependant, non. Nous voulons voir le match maintenant. Et donc, l'élève, il est sorti de la classe. Après 2 heures, l'école était brûlée. Et tous les élèves en dehors de l'école ont vu ce bâtiment, cette école incendiée. C'est l'élève là qui avait fait l'incendie dans l'école. Et quelques élèves avaient filmé cette école et ils ont partagé ça sur les SNS. Le lendemain matin, 80 écoles ont été brûlées. Waouh, ça c'est intéressant. C'est ça aujourd'hui le cœur des jeunes. Comme ils ne réfléchissent pas, si l'école est brûlée, où est-ce que nous allons étudier? Qui va nous construire l'école? Comment ces élèves seront punis? Lorsque nous pensons à tout cela, ils ne pourront jamais brûler. Ah, mais c'est intéressant de brûler. Donc, ils ne pensent pas à d'autres choses, ils pensent qu'à ça seul. Et parce qu'ils trouvent ça amusant. Et donc, il y a même maintenant des gens qui brûlent leur école. J'ai dit, c'est pourquoi on a besoin de l'éducation de mentalité. L'éducation de mentalité apprend la réflexion. Lorsque vous êtes devant un problème, elle éduque comment réfléchir. Et là, le résultat sera différent. Les enfants, ils ont seulement vu, ah, mettre de l'incendie, c'est intéressant, c'est tout. Nous pas penser, nous devons étudier. Qui va nous construire cette école si elle est brûlée? Qui sera puni pour cette incendie? Alors, s'ils pensaient à tout ça, ils ne pourraient jamais mettre du feu. Mais n'ont pas pensé. Maintenant, peut-être après 10 ans, les jeunes, en regardant les vidéos, les choses en ligne, lorsque vous regardez quelque chose en vidéo, votre réflexion est prise et donc vous ne pouvez pas réfléchir parce que vous regardez quelque chose qui coule et donc il n'y a pas des cellules de réflexion qui sont sécrétées. Et donc, j'ai dit à mes enfants, moi, je veux enseigner ce monde du cœur. Moi, j'ai enseigné à mes enfants
la maîtrise de soi. Lorsque mon enfant était au lycée, il a eu son permis de conduire parce qu'aux États-Unis, quand il était à la première, aux États-Unis, on peut avoir le permis de conduire. Et donc, en ce temps après, je lui ai acheté un véhicule, le véhicule le plus moins coûteux aux États-Unis. Mais mon fils, quand il a reçu cette voiture, il était très reconnaissant. Et d'autres élèves coréens, eux étaient riches, leur père était riche, donc leurs parents achetaient une très bonne voiture. Et donc, en tout cas, lorsqu'ils ont des voitures, ils peuvent faire beaucoup plus d'activités. Les samedis, par exemple, ils font la course, ils vont au ski, etc., pendant le week-end, et ils reviennent le lundi à l'école. Mais après, ils retardent, ils reviennent le mardi à l'école, et après, ils reviennent à l'école le mercredi. Mais mon fils, quand le lundi va à l'école, il écoute que ses élèves sont allés au ski, lui aussi, il trouve ça amusant, il a envie de partir. Mais mon fils vivait à l'église de New York, il ne pouvait pas faire comme ça, parce qu'il devait nettoyer l'église pendant le week-end. Il devait aller à la piscine pour faire l'agent de sécurité. En tout cas, je n'avais pas donné d'opportunité à mon fils pour aller faire aller au ski. Et une fois, aussi, je ne lui donnais que 100 ou 200 dollars. Et à mon fils, moi, je lui ai appris la méthode de réflexion, la maîtrise de soi. À la fin des études, beaucoup de ses amis, quand ils ont fini leurs études, ils n'avaient pas reçu les diplômes. Même mon fils, lui, il a reçu le diplôme. Alors, à la fin des études, il a dit à moi, « Papa, en fait, moi aussi, j'avais voulu aller au ski avec mes amis, mais je devais maîtriser ça. Et c'est à cause de ça que j'ai le diplôme aujourd'hui. » Bien aimé, lorsque nous apprenons la maîtrise de soi, lorsque nous avons la capacité de compréhension pour les autres, alors cette personne est très différente. Même si nous vivons dans le même monde, vous allez sentir en fait une satisfaction incomparable et vous serez très reconnaissant dans votre cœur. C'est pourquoi nous avons créé IYF. En IYF, il y a beaucoup, beaucoup d'apprenants vraiment étonnants. Ce qui est très important, c'est quoi? Nous n'avons aucune force. Mais Dieu a des forces. Quand Dieu me protège, certains ont mis de pièges. Mais la manière dont Dieu m'a protégé est très étonnante. Quand j'avais écouté que l'étudiant Yuan Chui était en train de mourir parce qu'il était piqué par le scorpion, au départ, quand nous avons envoyé les volontaires de Good News à l'étranger, quand nous les envoyons à l'étranger, il y avait moins d'incidents. On peut dire qu'il n'y a presque pas d'accident. Mais ce jour, Yuan Chui il a failli mourir. Mais Dieu l'a sauvé. Vous avez vu la photo, il est bien guéri, n'est-ce pas? Maintenant, il est père de 3 enfants. Je suis très reconnaissant. Bien-aimé, entre vous et Dieu, si votre cœur est connecté, qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez la parole de Dieu dans la Bible. Lorsque la parole de la Bible entre dans mon cœur, vous savez ce qui se passe peu à peu? La vie que je vivais pour moi diminue et maintenant ma vie change en la vie pour Dieu. Maintenant, j'ai presque 80 ans. Oui, dans ma vie, il y avait beaucoup de grandes et petites affaires, mais Dieu ne m'a jamais négligé. Il m'a chaque fois aidé.
Cette fois-ci, j'ai eu d'interviews avec plusieurs médias et surtout beaucoup de dirigeants chrétiens. Beaucoup de dirigeants chrétiens des États-Unis avaient participé à notre séminaire. Et maintenant, 820 000 pasteurs dans le CLF travaillent avec nous. Nous avons créé une nouvelle école théologique. D'autres écoles théologiques parlent plus sur les choses humaines que des choses bibliques, mais nous avons ouvert notre école théologique. Et maintenant, il y a 15 000 apprenants qui étudient dans cette école. Ce nombre augmente de plus en plus. Maintenant, nous allons gagner beaucoup de prédicateurs. Cette année, lorsque nous avons commencé le nouveau semestre, j'ai dit aux apprenants, « Bien-aimés, apprenez beaucoup. Si vous apprenez beaucoup, je vais vous donner la valeur d'entrer à l'école de mission, à l'église mission de la Bonne Nouvelle pour devenir prédicateur. » Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont le souhait d'entrer à l'école de mission, à l'église mission de la Bonne Nouvelle. Alors, Dieu a fait des choses inimaginables. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Auparavant, c'était moi qui étais comme ça. Je n'avais aucune excellence. Et surtout, mes amis, une fois je me rappelle, mon ami s'appelle Chong Chungnam et sa taille était comme ça et plus élancée que moi. Il était aussi très beau, cool et il avait un très bon caractère. Moi, mon caractère est très restreint. Donc tout le monde aime cet ami. Mais il y avait vraiment pas de personne qui m'aimait. Maintenant, c'est parce que je suis pasteur, les gens m'écoutent. Mais il n'y avait pas des gens qui m'aimaient. La manière dont je suis aussi, vraiment, c'était vil. Et c'est pourquoi j'étais plus proche à Dieu. Mais cet ami, tout le monde aime cet ami-là. Un jour, quand je suis allée au village, et parmi nous, la femme de Chungnam est la plus belle. J'ai écouté qu'elle a voulu aller faire la Miss Coréenne mais, à Busan, mais elle a laissé. En tout cas, elle est la plus belle femme que j'ai vue avant. Et après, en ce temps, je n'avais pas rencontré mon ami, mais après quelques années, quand je suis allée au village, ils m'ont dit, hey, Oksu, tu as écouté à propos de Chungnam? Non, pourquoi? Ah, il s'est suicidé. Quoi? Chungnam s'est suicidé? Celui qui a un très bon caractère là, pourquoi il se suicide? Pourquoi il s'est suicidé? Je ne pouvais pas comprendre. J'ai envie de le demander vraiment pourquoi il s'est suicidé. Si je savais. Il y a un autre ami. Il est devenu pharmacien et il travaille à Sonsan. Un jour, je suis allé le voir. En fait, moi, je suis pasteur. Et lui, il est juste infidèle, ordinaire. Mais pour vanter devant moi, il a ouvert la Bible et il m'a expliqué. Et je l'ai écouté et j'ai écouté tout ce qu'il m'a parlé pendant 1h30. Et après, j'ai pris un peu de l'eau de vitamine et puis je suis partie. J'ai pensé la prochaine fois, je vais lui prêcher l'évangile. Mais ce qui était triste, quand je suis allée la prochaine fois, il était déjà décédé. Il y a beaucoup parmi mes amis qui sont déjà morts. Oui, dorénavant, il y en aura plusieurs. Si je pense,
Moi, je suis vraiment rien. Mais je pouvais sentir que Jésus m'a aimé. C'est pourquoi, bien que je sois vil, ce n'est pas un problème. Bien que mon caractère ne soit pas bon, ce n'est pas un problème. Parce que le Seigneur me conduit. Aujourd'hui, nous avons lu Ésaïe 53. Ésaïe a écrit quelques centaines d'années avant Jésus-Christ à propos de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchetée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais le verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Méprisé et abandonné des hommes. Ah, peut-être ici, ces points sont similaires à moi. Moi aussi, j'étais méprisée. Et il y avait beaucoup de gens qui m'ont aussi détestée. Peut-être c'est pourquoi je ne pouvais pas me vanter. Mais c'est comme ça que j'avais vécu. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qu'est-ce qui est dit le verset 4? C'était ce qu'il était. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus a pris nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, et ce que la Bible a dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment. Ce qui est plus important, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 우리를 대신해서 우리 죄를 지고 십자가에 못 박히셨고 징계를 받으셨고 고난을 당하셨습니다. Jésus, à notre place, a pris nos péchés, est blessé sur la croix, prisé pour nos iniquités, et il a eu le châtiment. Alors, nos douleurs, nos souffrances, nos méchancetés, nos péchés, Jésus les a tout pris. Donc Jésus a été frappé, a eu des meurtrissures à notre place. Pourquoi? Pour nous donner la paix, pour que nous sommes guéris. Ah oui, Jésus a été blessé, brisé, frappé. Jésus n'est pas pécheur, pourquoi il devait mourir? Mais en mourant sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés, mais nous ne prenons pas ça pour nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Yohan Chue. Chue Yohan était piqué par le scorpion et j'ai écouté qu'il est en train de mourir. J'étais très gênée. En fait, jusqu'à présent, nous avons envoyé environ une dizaine, 10 000 étudiants à peu près au service volontaire.
Et au départ, 탈출시키느라고 막 정신을 못 차렸어요. Il y avait entre-temps une pandémie qui ravageait le Libéria et vraiment on devait évacuer tous les volontaires. Et il y a encore un autre cas, notre sœur qui était tombée du bâtiment quand elle était au Ghana. Et en ce temps, mon cœur était très très serré. Mais la manière dont Dieu a travaillé, c'est très étonnant. Une chose que je peux vous dire clairement, j'avais subi beaucoup de difficultés, de souffrances et de détresses. Mais à chaque temps, Jésus est venu et il a travaillé pour moi. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Il y avait des souffrances, il y avait des difficultés. Il avait des détresses. Mais sans lâcher une fois, Jésus était avec moi. Aujourd'hui, la parole de la Bible qu'on lit, j'ai péché, je devais être maudit. J'ai péché, je devais être détruit. Je devais subir ces meurtrissures. Mais Jésus les a tout pris à ma place. Ça, ce n'est pas un mensonge. Bien-aimé, si vous croyez ça, la souffrance qui vous arrive va vous échapper. Les souffrances vont vous visiter, mais vont fuir. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de difficultés, mais à chaque instant, le Seigneur était avec moi. Il a tout bloqué. Les pierres qui étaient visées à la femme surprise en adultère, ces pierres étaient tombées à terre. Normalement, ces pierres devraient frapper cette femme en adultère, frapper son visage, ses yeux et son nez. Mais Jésus a fait qu'aucune pierre ne soit lancée à cette femme et qu'elle soit tous tombés par terre. Moi aussi, j'étais une telle personne. Il y avait plusieurs calamités, plusieurs maux et preuves qui voulaient me frapper. Mais avant que ça m'atteigne, Jésus a fait tout tomber. Alors, lorsque la femme surprise en adultère a ouvert ses yeux, elle a vu que toutes ces pierres étaient tombées à terre. C'est Jésus qui a fait comme ça. Oui, elle n'a pas fait une autre chose. Elle n'a pas fait de bien. Elle n'a fait aucune chose. Mais Jésus l'a aimée. C'est pourquoi Jésus ne l'a pas laissée seule. Bien-aimé, si vous croyez Jésus, toutes ces pierres ne peuvent pas vous frapper. La femme surprise, elle est là. Elle a juste baissé sa tête. Mais là, elle a entendu la voix de Jésus. Qui sont ceux qui t'accusent? Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Elle était surprise. Elle a levé sa tête. Elle était surprise. Tous ceux qui l'accusaient étaient disparus. J'ai pensé que ces pierres devraient casser ma tête, casser mon nez. Et je devais mourir pitoyablement en coulant du sang. Mais toutes ces pierres étaient à terre. Quel était le cœur de cette femme? Comment elle sera reconnaissante? Comment elle doit remercier Jésus? Maintenant, notre cœur, Dieu a fait la même chose. Pendant que nous croyons Jésus, je ne suis rien. Mais quoi que je fasse, Jésus m'a aidé. Que je fasse IYF, que je fasse le camp mondial, que je fasse le Good News Corps, service volontaire, que je fasse le CLF, même la chorale, quelle que soit la chose. Lorsque nous avons formé la chorale Gracias, au départ, on ne connaissait pas bien la musique. Donc, on a envoyé la chorale Gracias à Saint-Pétersbourg en Russie. Nous avons aussi appelé les professeurs de cette université.
Et nous avons appelé un directeur, Anton, un directeur jeune qui a dirigé, un conducteur jeune qui a conduit notre chorale. Et après, on a eu un concert à Opera House en Australie. On n'avait pas de conducteur. Donc, nous avons recommandé le conducteur Boris Avalian de Russie. Il était un conducteur vraiment connu à l'échelle mondiale et il est devenu le conducteur de notre chorale. Là, la chorale a cru vraiment merveilleusement. Il n'y a aucune chorale qui peut poursuivre notre chorale. Notre chorale est la meilleure chorale au monde. Je suis très reconnaissant. Tout ce que nous faisons, c'est comme ça. C'est pas parce que nous sommes bons ou excellents. C'est parce que Jésus nous a aimés. Comme Dieu est amour, si vous dites « Dieu ne m'aimait pas », c'est ça qui est plus souffrant à Dieu. Comme Dieu nous aime, qu'est-ce que je vais faire pour eux? Il prépare à l'avance. Il a envoyé Jésus. Il a lavé nos péchés. Et il a ouvert toute la voie pour que nous puissions entrer au ciel. On n'a pas à faire. Croyez seulement ça dans votre cœur. Moi, j'ai seulement cru. Mon péché est très sale. Dans la Bible, Jésus a écrit que tout est lavé. Tous mes péchés sont lavés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été brisé, mais c'est nous qui avons eu la paix. Il a été blessé, mais c'est nous qui étions guéris. Combien de fois cette parole est étonnante, bien-aimé? Moi, j'étais une personne très méchante, mais j'ai seulement cru ça. Et ce cœur de Jésus est entré dans mon cœur. C'est vrai que même maintenant, j'ai des manquements, mais je pouvais voir que je change. Vraiment, je suis rien. Mais l'année dernière, cette année, étant diffusé, vraiment, je suis une personne qui n'est rien, mais partout où je vais, je suis devenue une personne reconnue. Quand je donne des sermons, cette fois-ci au Kenya, il y avait environ 3000 pasteurs qui sont venus, au Ghana, même pareil, en Côte d'Ivoire, même au Togo. Lorsqu'ils écoutaient la parole, ils étaient très heureux. Au Kenya, les gens étaient très heureux. J'ai dit, est-ce qu'on va danser? J'ai dansé la danse d'Afrique. Et quand ma femme a vu ma danse, vous savez ce qu'elle a dit? Que mes pas ne sont pas du tout corrects. Oui, mes pas ne sont pas corrects. Mais j'étais très heureux. Ils étaient très heureux. Ils ont reçu le pardon des péchés. Nous sommes reconnaissants. Frères et sœurs, ça ne demande pas de certificat ou de diplôme. Je ne suis pas une personne spéciale, mais mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. C'est ce que j'ai cru. Tous mes péchés de mon cœur. Jésus est mort à la croix. Il a lavé. C'est ça que j'ai cru. Là, je suis devenu un cœur avec Jésus. Quoi que je fasse, je pouvais voir Jésus m'aider. Je n'arrive pas à croire, n'est-ce pas? L'année dernière, mes prédications ont été écoutées par 2 milliards de personnes. Je crois que dans l'histoire du monde, celui qui a été écouté par 2 milliards de personnes, c'est seulement moi. En tout cas, beaucoup de médias ont diffusé mes sermons. Je suis devenu très fameux, même si je ne suis rien. Dieu va encore ouvrir des voies pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Et nous sommes en train de renouveler l'Afrique.
우리 이 교육을 받아들이기를 원합니다. La plupart des présidents des pays africains veulent accepter notre éducation. Nous voulons commencer cette éducation, mais à cause de COVID-19, on ne peut pas commencer l'année dernière. Si maintenant, l'année prochaine, les choses vont s'améliorer, nous allons commencer les activités de l'éducation de mentalité. Quand je pense à ça, quand je pense comment les jeunes africains vont changer, je suis très heureux et j'ai d'espoir. Et en même temps, ils vont recevoir le pardon des péchés à travers le sang de Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous a aimés. Il a versé son sang sur la croix. Il est mort. Maintenant, c'est la dernière parole. Johan, écoute-moi attentivement. Tu étais en train de mourir par le scorpion. Mais ce matin, j'ai lu la Bible. C'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Confie-toi en l'Éternel selon cette parole. Là, Dieu va sûrement renouveler ta force. Dieu a dit qu'il va te donner une nouvelle force. Alors là, tu pourras vaincre le poison du scorpion. Le lendemain matin, le docteur est venu. En fait, il devait prescrire des médicaments, mais il n'a rien fait. Il devait remplir en fait le papier, mais il ne savait pas ce qu'il devait écrire parce qu'il n'a rien fait. Alors, Johan a dit, écrivez, Dieu a fait. Écrivez, Dieu a fait. Il a écrit comme ça. Maintenant, à LA, il fait des choses très précieuses pour IYF. Oui, nous vivons bien ordinairement, mais lorsque nous rencontrons des désastres ou des calamités, nous devenons tristes et nous ne pouvons pas surmonter par nous-mêmes. Mais lorsque Jésus est avec nous, il nous donne une nouvelle force. Moi, j'ai vu beaucoup de gens mourants qui ont survécu. Croyons le Seigneur comme le Jésus, croyons Jésus comme notre Seigneur et ayons un même cœur avec Jésus. Lorsque le cœur de Jésus va couler en votre cœur, alors vous aurez cette sagesse, cet amour qui n'était pas autrefois en vous et une paix qui n'était pas en vous, vous l'obtiendrez et votre cœur sera rempli de gratitude. Et je crois que vous vivrez une vie très bénie. C'est fini très rapidement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la dernière session. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais déjà, les sessions sont finies. Dans votre cœur, il y a Jésus-Christ. Et croyez ce Jésus. Croyez que vos péchés sont pardonnés. Croyez qu'il vous a protégé. Là, vous aurez un grand travail de Jésus dans votre vie. Merci, je vais prier. Père Dieu, je suis très reconnaissant. Nous étions censés être maudits et détruits. Mais Seigneur, tu nous as sauvés. Merci infiniment. Cette fois-ci, nous avons prêché la parole pour quelques jours. Jésus est vivant dans notre cœur. Dirige notre cœur, notre vie, protège notre vie et bénit notre vie. La sagesse que nous n'avions pas, l'amour, la force. Seigneur Jésus, deviens notre puissance. Dieu, deviens notre amour, deviens notre sagesse. Permettez-nous d'avoir le même cœur avec le Seigneur et bénissez-nous en toutes choses. Donnez-nous ta grâce à tous ceux qui sont ici. Que le grand amour et l'intarissable grâce de Dieu soient sur nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tous.